Monsieur Bru, la parole est maintenant à Madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste et apparenté. Je vous indique que sur le vote de la proposition de loi, je suis saisi par le groupe La République En Marche, Les Républicains, UDI Indépendants et la Gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public que nous annonçons dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Merci. Bonjour Cécile. Madame la ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Fabien, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues, cette proposition de loi se veut une grande loi de sécurité civile. Elle vise avant tout à reconnaître l'engagement de ceux qui risquent leur vie au service de l'intérêt général et clarifier leur mission. Ce texte, très attendu localement, permet de dire ici toute notre reconnaissance au travail accompli par les sapeurs-pompiers. Je tiens à remercier particulièrement Fabien Matras et saluer sa qualité de négociateur et son travail. Cela n'a pas été facile d'arriver jusqu'ici, mais nous y sommes arrivés et merci encore. Dans les circonscriptions rurales comme la mienne, le sapeur-pompier volontaire prend toute sa place dans la commune. Il constitue un repère, une figure rassurante et appréciée de la population. Son investissement en fait une personnalité incontournable et garante d'un lien social qui tend à disparaître. Au moment où l'on ne cesse d'innover et de proposer des mesures allant dans le sens d'un plus grand engagement citoyen, il est en effet opportun de se soucier de celles et de ceux qui, pendant des années, ont donné de leur temps pour répondre présent lorsque nous avions besoin d'eux. La présente proposition de loi s'inscrit dans le prolongement des lois de 1996, 2004 et 2011 qui ont modernisé le cadre juridique de la sécurité civile et celui du volontariat tout en le complétant. Certaines dispositions étaient attendues depuis plusieurs années par les sapeurs-pompiers, comme l'expérimentation d'un numéro unique, la reconnaissance de leur statut d'acteur du soin, une définition plus précise de la carence ambulancière et la valorisation de leur engagement. Notre service de secours en France repose largement sur ces pompiers bénévoles. Nous devons entendre leurs demandes, mais surtout y répondre. En consolidant le modèle de sécurité civile français et en maintenant la capacité d'intervention. Le secours à personne représente plus de 80% des interventions des services départementaux d'incendie et de secours. Les premiers articles de ce texte adaptent la définition des missions des sapeurs-pompiers à cette réalité. Le texte élargit leur cadre d'intervention en y incluant des soins d'urgence. Par ailleurs, la définition des carences ambulancières, ces missions non urgentes que le SAMU confie aux pompiers en cas d'indisponibilité des ambulanciers privés, est précisée afin de mieux répartir la charge des interventions d'urgence. Une intervention pourra être requalifiée en carence a posteriori à la demande des pompiers en application des nouveaux critères définis dans cet article. L'équité financière sera aussi mieux garantie. Nous devons également y répondre en confortant l'engagement et le volontariat. Plusieurs articles améliorent la condition des sapeurs-pompiers volontaires, notamment l'abaissement de la durée d'engagement ouvrant droit à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à la retraite. Je regrette toutefois que la bonification de retraite des sapeurs-pompiers volontaires, initialement prévue, ait été remplacée par une diminution de la durée minimale d'engagement permettant aux sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à 15 ans et à 10 ans en cas d'incapacité médicalement reconnue. Il faut également y répondre en renforçant la mutualisation et l'organisation de la sécurité civile via l'expérimentation de ce numéro unique pour les appels d'urgence. Cette dernière est désormais prévue sur 2 ans selon 3 modèles que nous connaissons. Il nous semble que nous aurions pu, comme toujours, aller plus loin. Et ce sont principalement le renoncement à la bonification de trimestres de retraite, pour des raisons que nous comprenons, et la reconnaissance de 30 ans d'engagement par le conseil d'administration du SDIS et non une reconnaissance directe au niveau national qui provoque la déception sur le terrain. Pour être allée la semaine dernière dans un centre de première intervention dans un petit village pour la remise de médailles, mais aussi pour le baptême d'un camion d'intervention, en capacité d'apporter les premiers secours dans la proximité, j'ai mesuré à nouveau combien ce dispositif était une exception et méritait notre soutien. À l'heure où dans nos campagnes, les habitants sont inquiets de ne plus avoir de médecins référents et un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24, les maires nous disent combien ces centres qui assurent un maillage de la protection civile sont importants et contribuent à apaiser l'inquiétude des citoyens concernant l'accès aux soins. En conclusion, je dirais dans ce brouhaha infernal que nous sommes tous très convaincus.
un tel fonctionnement concernant un corps constitué à 80% de sapeurs-pompiers volontaires. Seul ce dispositif permet le maillage territoire, et cette exception doit être défendue à Bruxelles. L'Europe doit avoir d'autres préoccupations que celle de vouloir remettre en question ce système interne dont nous sommes les heureux héritiers, et nous avons le devoir ici de préserver cette exception. Il faut sortir la sécurité civile de la directive européenne. Et je conclurai en disant bonne Sainte-Barbe à tous nos pompiers de France. Je vous remercie, Madame Untermeyer, et merci de votre patience. Bien, nous avons simplement deux amendements.